Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, aujourd'hui, on a un nouveau cube qui nous vient de Plus de Cubes. Donc, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de moins 5% avec le code Malo sur la boutique Plus de Cubes. Donc, le lien est dans la description. Donc, du coup, c'est parti, je vais ouvrir le carton. On a un petit papier Plus de Cubes avec écrit merci derrière. Et on a un autocollant Plus de Cubes aussi. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Je vais bien trouver un endroit pour. Et on a le cube. Donc là, vous voyez un peu quel cube c'est. Donc c'est le Gan Mirror. Donc en gros, c'est un miroir. Donc il y a pas très longtemps, Gan a sorti un miroir. Donc c'est ce cube là. C'est un cube non officiel. Et du coup, je crois que c'est le premier cube non officiel que Gan sort. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Voilà, donc là, il y a une petite ouverture ici, je crois. Ah, ok, comme ça. Oh, la boîte. Une boîte tard 2015. Hein. Oh, c'est stylé. Avec un énorme patron, je sais pas si vous voyez. Donc là, on a le cube. Voilà, on a le cube dans une boîte en plastique. Là, on a une sorte de carton, je sais pas trop ce que c'est. Il y a rien dedans, en plus. Ou... Non, il y a rien dedans. Ah, là-dedans, il y a l'air d'avoir des trucs, par contre. Qu'est-ce que c'est? Une notice, ok. Oh, puis un tournevis, ok. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au cube. Donc, il est là. Il est tout brillant, là. Donc, bon, ok. La boîte s'ouvre toute seule. Ok. On va prendre le cube. Donc, si vous savez pas, le miroir, c'est un 3x3 qui a qu'une seule couleur, donc la même sur toutes les faces. Et en gros, quand il est mélangé, il est déformé. Et le but, c'est de le résoudre grâce aux formes. Donc, ouais, en vrai, il est vraiment beaucoup plus stylé que les miroirs classiques. Que les miroirs classiques, ils sont soit gris, couleur métal, ou soit couleur or. Et là, vraiment, violet, comme ça change, je trouve, avec les petites paillettes et tout. En plus, il est magnétique, donc ça, c'est un bon point. Donc, bon, on va passer au premier turn. C'est parti. Ok, ah ouais, il est plutôt fluide. On sent bien les manettes, donc les aimants. Donc en vrai, le cube est vraiment bien niveau turn, je trouve. Je sais pas si on peut tester le corner cutting sur un miroir. Ouais, déjà là, ça passe. Ça passe aussi ici. Là, c'est un peu plus de mal, mais après, je pense que ici on peut peut-être pas parce que... dû à la forme. Ah si. Ouais, en vrai, le corner cutting est vraiment bon. Du coup, maintenant, je vais le mélanger, puis je vais essayer de le résoudre. Donc normalement, je sais le résoudre, mais bon, je vais vous montrer un peu comment je fais. C'est parti, je mélange. Ok, donc là il est mélangé, donc ça ressemble à peu près à ça quand il est mélangé. Donc là je vais essayer de faire une croix déjà. Faut que je cherche la bonne pièce. Ok, donc là j'ai une pièce ici. J'ai réussi à mettre une deuxième pièce ici. Donc là, je sais pas si vous voyez, j'ai ça. Ça correspondrait à ça sur un 3x3, donc une ligne que j'ai ici. Donc maintenant, du coup, si vous avez compris, il manque les deux pièces ici. Bon, du coup, ça y est, j'ai réussi à faire une face. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire les coins. En fait, j'avais mal fait ma croix. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux arêtes. Donc, c'est ici. Donc, c'est parti. Hein. Donc là, j'ai ma première. Ma deuxième. Ma troisième. Je viens de mettre la dernière, donc du coup j'ai mes deux premiers étages ici. Donc là ça va être assez dur parce que je sais plus trop comment faire. Mais bon, on va bien voir. Yes, ok, ça y est, il est terminé. Je suis plutôt content. Donc j'ai un peu galéré hein, pour la dernière étape. Je faisais un peu n'importe quoi. Mais bon, au final, j'ai réussi. Donc en vrai, le cube, il est vraiment bien. Quand je l'ai résolu, c'était plutôt agréable de le tourner. Et je trouve que c'est cool parce que un cube comme ça, on le fait pour le plaisir, pas forcément pour la rapidité. Mais même quand on fait pour le plaisir, on aime bien quand même que le cube, il tourne bien. Donc du coup, là, c'est le cas. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc je vous rappelle que vous bénéficiez de moins 5% sur le site Plus de Cubes. Donc le lien est dans la description. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut !